Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage, j'ai redémarré un nouveau coloriage aujourd'hui. Alors d'un livre que j'ai déjà fait plusieurs coloriages dessus. Alors c'est celui-là, le Magique Automne. Voilà. Hop. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour pouvoir le retrouver. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre un peu spécial. C'est un livre avec du grayscale. Voilà, le grayscale, c'est les dessins où les ombres sont déjà dessinées. Donc, je vais vous montrer sur pardon, sur un dessin par exemple. Voilà, vous voyez, les ombres sont déjà dessinées en gris. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle le grayscale. Voilà. Donc ça plaît à certaines, ça peut plaire comme certaines personnes n'aiment pas. Voilà, moi j'aime bien. Donc sur certains dessins, voilà, comme sur celui-là par exemple, vous voyez, là il y en a beaucoup. Mais moi j'aime bien, ça ne me dérange pas du tout. Vous voyez, par exemple celui-là aussi. Et alors j'en avais déjà fait. Alors j'essaye de vous montrer un que j'avais déjà fait. Voilà. Vous voyez. Donc j'avais déjà fait celui-là. J'avais déjà fait celui-ci. Et j'avais déjà fait alors hop, celui-ci. Voilà. Donc ben, quand on n'a pas l'habitude de faire les ombrages, ça permet de s'aider à faire les ombres. Mais bon, faut s'habituer. Ah, en voilà encore un que j'avais fait. Voilà, je savais bien que j'en avais fait un autre. Voilà. En voilà un autre. Voilà. Et donc, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de coloriage. Ça permet ben, déjà de voir où on peut faire les ombres. Ça aide beaucoup, je trouve. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors ce style de livre, par contre, la première fois que j'en ai acheté un, j'en avais acheté un autre. La première fois que j'en avais acheté un, j'avais trouvé bizarre parce que vous avez les coloriages, ils sont tous en double. Voilà. Arrivé au milieu. Alors, hop, je retrouve, voilà. Là, je suis au milieu. Et vous voyez, c'est marqué. Alors je pense que vous devez l'avoir, je ne sais pas si vous l'avez à l'envers ou pas, mais c'est marqué second set of page begin here. Donc c'est second lot de pages pour à colorier. Donc vous avez une deuxième fois tous les coloriages. Vous voyez, je vous ai montré celle-là, je l'avais fait. Et elle y est une deuxième fois, voilà. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai montré, elle y est. Voilà, donc vous avez en double tous les coloriages. Bon, c'est quand vous êtes par exemple à deux à faire les coloriages à la maison, c'est bien, ou vous partagez le bouquin à deux. Bon, moi là, ce genre de coloriage, je suis toute seule à le faire. Donc, c'est. Ça ne sert pas à grand chose, à moins que mes petites filles, par exemple, elles voudraient en faire. Mais sinon, voilà. Bon, ce genre de livre, ce sera toujours en double. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez voir donc ce coloriage, un extrait donc de ce livre. Vous allez le voir en deux vidéos. Aujourd'hui, vous avez la première vidéo. Et demain, je pense, demain ou après-demain, vous aurez la suite de ce coloriage. Donc j'espère que ça va vous plaire.
Là, je l'ai fait avec les. Alors, le visage, je l'ai fait avec le. Cherche le nom, ça y est, je ne sais plus. Celle-là. Voilà. Les polycolores. Voilà, ma boîte de polycolores. Et le reste, je l'ai fait avec les Castellart Supply. Voilà. Je cherchais le nom. Et. J'ai fait également, donc il y a un chapeau sur le coloriage, je l'ai estompé également, donc à l'essence sans odeur. Voilà, c'est la seule partie du coloriage que j'ai fait à l'essence. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les références des numéros de crayons de couleur que j'ai utilisés. Je vais y arriver, hein. Il est tard, hein. Il est 22 h, je commence à ne plus savoir parler. Donc, je vous mets les références, comme d'habitude, des couleurs que j'ai utilisées et les liens du matériel que j'ai utilisé pour faire ce coloriage. Voilà. Ça y est, j'ai réussi à tout vous dire. Voilà, moi, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe sous la vidéo, vous me laissez un commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant, je vais vous laisser visionner cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, bisous.